Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on va faire simple, clair et précis. Aujourd'hui, le concept de la vidéo, à chaque fois que je prends un dégât, je me transforme en un mob aléatoire. On avait fait une vidéo déjà il y a quelques jours où on utilisait le mode Identity. Alors, le principe du mode était assez simple, c'est que dès qu'on tuait un mob, on pouvait se transformer en lui. Et donc là, ce qu'on a fait tout simplement, c'est qu'on a été modifier le mode pour que tout simplement ce soit aléatoire. Ça veut dire que dès que je prends un dégât, je peux devenir un mouton, un cochon, un Ender Dragon. Voilà, les possibilités sont infinies. Et comme d'habitude, pour vous, ça va être aussi simple, clair et précis. Vous allez de suite vous abonner. On est en route vers les 200 000 abonnés. Et donc, il faut appuyer sur ce bouton en masse, mesdames et messieurs. Je compte sur vous, surtout si vous aimez ce genre de vidéo. Comme ça, ça vous permettra de pas les louper. Et mettez un pouce bleu aussi, c'est très important. Bah, je vous propose tout de suite de tester et de voir. On va essayer de prendre un dégât, peut-être un dégât de chute pour voir ce qu'on va devenir. Ok, je suis une Endermite. On est d'accord, c'est de la merde. Oh non, mais la pire transformation pour commencer. Alors, est-ce que. Ah ouais, je peux me téléporter, trop bien. Oh yes. Parce que bien sûr, on a les habilités des mobs et ça, c'est vachement intéressant. Bien sûr, notre objectif est de terminer Minecraft. Je pense que pour cette vidéo, on va retourner faire un petit Ender Dragon. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Ah oui, par contre, j'avais pas vu. On a notre barre de vie aussi qui est baissée. Ben oui, on a vraiment tout comme les mobs du jeu, quoi. Genre, on a les mêmes nombres de cœurs, etc. C'est vraiment un délire, quoi. De toute façon, la première vidéo qu'on avait fait sur le mode vous avait beaucoup plu. Et donc, si vous aimez vraiment qu'on modifie un petit peu des mods comme ça et que vous voulez, par exemple, un épisode 2 mais sur une modification différente, n'hésitez pas. On va mettre un petit palier. Je sais que les 10 000 pouces bleus en ce moment, vous les atteignez très facilement, donc on va voir un petit peu plus haut, voir si vous pouvez faire ça. On va mettre le palier à 15 000 pouces bleus. Donc on compte sur vous, bien sûr. En vrai, je me dis que j'aimerais bien quand même avoir une autre transformation, parce que là, c'est vraiment le pire truc du jeu. Alors, vas-y. Non, what? Non! Je suis un zombie fight pliglin. Voyons voir là ce qu'on peut avoir. Quoi? Mais je suis une tortue! Mais j'ai pas envie d'être une tortue! C'est pire! Ok, juste là, on a un village. On va aller voir, je pense que pour avoir de la bouffe, etc. Parce que je n'arrive pas à retrouver mon stuff. Je pense que ce sera mieux. En vrai, dites-moi, si vous devriez vous transformer en un seul mob de Minecraft, vous choisirez quoi? Ah, question importante. Ah, je peux pas rentrer. Oh, c'est honteux. C'est quoi ça? Oh, c'est pas gentil envers les tortues, ça. Genre, nous, les tortues, on est grosses, c'est ça? C'est pas gentil, Mojang. Je suis une tortue qui dort. Incroyable. Ouais, je trouve un moyen de prendre des dégâts. Ici, ici. Là. Ouais, je suis Pomba. En vrai, je pense qu'il faudrait essayer d'obtenir une transfo qui nous va et essayer de pas la perdre en prenant pas de dégâts. Mais je sens bien le truc, c'est où t'es en fight contre le dragon, t'as la bonne transformation qu'il te faut et que tu te fais changer en poisson. Ça va être génial. Vas-y, meurs. Vas-y. Non. Ouah, il m'a one-shot. Ah mais what, je suis pas mort. Ah parce que j'avais assez de vie. Mais what? Mais please. C'est honteux. Mais là, je suis leur pote, là. Ils vont plus me taper. Alors, salut, ça va? Je récupère mon stuff. Mais barrez-vous, je suis un zombie. Je suis un poisson. Je suis... Voilà, je suis un lama. Bah super, en fait. Mais pourquoi il y a 500 milliards de mobs, là? Mais barrez-vous, en fait. Barre-toi. Je suis quoi? Je suis devenu quoi? Je sais pas ce que je suis devenu. Je me suis transformé. Je suis une vache. Une vache qui affronte les zombies et les creepers. Aïe. Et oh, trop bien, en vrai. Je peux voler. Je suis une abeille. Je suis magique, l'abeille. En vrai, je suis mignon, je trouve. Je suis mignon, en abeille. Vous me direz, d'ailleurs, dans les commentaires, la transformation que vous avez préférée de moi aujourd'hui dans cette vidéo. Quoi? Quoi? Je suis redevenu une abeille, MDR. Je me suis transformé en un truc, j'ai pas vu ce que c'était. Aïe, j'ai pas vu ce que c'était et... Oh, je suis un creeper. Oh, trop bien. Le creeper, on avait déjà vu dans la précédente vidéo que c'était trop bien, du coup, let's go. Et je vais t'exploser à la tronche, mec. Vas-y, bim. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je suis un creeper. Ok, let's go. Ok, on en a pile poil 5, c'est parfait. On va leur faire... Attendez, on va leur faire une grosse explosion de creeper. Boum. Ça la one shot. Oh, je suis plus un creeper. What? Je suis une shulker. Ça n'a aucun sens, je suis une shulker, je suis un bloc. Ah, je suis plus une shulker du coup. Je suis quoi là? Je suis un villageois, voilà, vous avez persécuté mes amis. Je vous défonce. Ouais, moi je suis le défenseur des villageois. Ah non. Qu'est-ce que c'est? Oh, du coup, j'étais un village... What? Je suis un perroquet. En vrai, trop pratique d'être un perroquet. Salut. Haha, vous pouvez plus m'avoir là, vous pouvez plus m'avoir. Attention. Je vais te buter. Je vais te buter. What? Oh, je suis un ghast. Oh non, en vrai, c'est tellement pas pratique d'être un ghast. Je suis trop gros. Toi, meurs. Oh, en plus, ça explose les trucs. Attendez, on va tuer le golem pour avoir du fer en plus. Meurs. Bam. Oh, on est mauvais, hein. Non, what? Il m'a tué. Du coup, je suis un cheval. Vas-y, tiens. Moi, je suis un cheval. J'ai pas... Oh, je suis un perroquet. Je suis un perroquet. En vrai, j'aime bien la transformation perroquet. Je suis trop mignon, en fait. Ok, lac de lave ici. Ça part sur le nether, hein, du coup. Ok, super biome pour arriver dans le nether, bien sûr. Bon, après, on a l'avantage de voler, hein, donc on va en profiter un maximum. Ok, forteresse, elle est là. Attention, le ghast. Meurs. Quoi? Non.
Non ! Ah, c'est con, hein, ça. Bon, j'avais activé le Keep Inventory pour cette vidéo, d'ailleurs, parce que c'est... Voilà, comme on va se transformer, on va tomber, etc. Je me suis dit que d'habitude, on le met pas, mais cette fois-ci, voilà. Donc, en vrai, ça pose un petit peu moins de soucis. Donc, je retrouve le portail du Nether et on va essayer d'y retourner. Mais en vrai, ouais, je suis plus d'avis d'avoir une meilleure, voilà, une meilleure transformation, on va dire. Du coup, la forteresse... Messieurs les squelettes, non, 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 je voulais pas que tu me transformes en fait. Je suis quoi? Je suis un zombie. Ok, là je suis mort, j'ai un cœur. Ah, je suis un cube de magma. Oh, regardez, je peux sneak. Je peux sneak en étant... What? Non, calme-toi. Je suis un polar bear, je suis un underman, je suis une araignée, je suis un panda. Ah oui, mais comme je vais prendre des dégâts tout le temps, je vais me transformer à H24. Hop, je suis un underman. Allez. Je me barre. Cassez-vous les cons. Ah mais oui, j'avais pas pensé à ça. Si je prends un effet comme ça, je vais me transformer H24. Je suis tellement grand, ça me fait bizarre. Ok, en Enderman, je peux me téléporter. Donc ça peut être pratique. Hop. Oh, je me suis TP. Je sais... Oh putain, je vais si loin par contre. Comparé à l'Undermeat. Je suis un Oslo. Barrez-vous. Barrez-vous, monsieur. Non. Non. Oh, je suis mort. Ah, je suis un fantôme en vrai. Ça, c'est plutôt pratique. Ok. Non, me touche pas. Non. Je suis quoi? En vrai, je... Oh, je suis un Vex. Aïe, non, non, non. Non, je sais pas ce que je suis. Oh là là, mais c'est pas possible. C'est interminable. Je n'en peux plus. Voilà, il me faut une transformation volante parce que sinon, je ne pourrais pas retourner dans la forteresse. Je suis l'Elder Guardian. Oh, si puissant, par contre. Bon, en vrai, ça nous intéresse pas trop, mais... Non, mais... Allô, arrêtez. Je suis 10 milliards de choses en même temps. Je sais plus ce que je suis. Un peu de régène, s'il vous plaît. En vrai, j'ai pas été une seule fois un Blaze depuis le début. Ok. Ah, je suis pas mort. Je suis une Shulker. Ah, mais please. Ok, normalement, ouais, là, je suis plutôt bien en Blaze Rod. Je pense que c'est suffisant. Maintenant, plus qu'à trouver des petits piglins et faire des trades. Hein. On va éviter de prendre trop de dégâts. Là, en vrai, je l'ai joué safe et tout, mais la galère, le Nether. Hein. J'espère que dans l'end, ça va mieux se passer quand même. Petit piglins. Ok, j'en vois un là-bas. Salut, mec. Non! Non, 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 non. Va te calmer de suite. L'autre, il a tout mon or, donc tu te calmes. Allez, tiens. Prends ça, toi. Ok, déjà 6 underperles. Nickel. Ah. L'autre, il veut m'attaquer. Il y en a un nouveau. Non. Ok. Oh, il m'attaque plus. Oh, parce que je suis ce gros truc, il m'attaque plus. MDR. Ok, 9, on y est bientôt. En vrai, il en faudrait 13, 14 dans ces eaux-là. Bah, 14, ce serait bien. Comme ça, on fait toutes nos Blaze Powder. Ok, on en a 15. Du coup, c'est parfait. En vrai, on va en faire les 14 et on va en garder une un petit peu au cas où. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'avoir une autre transformation. Est-ce que je prends des dégâts avec le feu? Oui. Ok. Ah, bah voilà. Parfait, on peut rentrer à la maison comme ça. Par contre, je suis complètement paumé. J'arrive pas à retrouver mon portail par rapport à la forteresse. Si c'était par là-bas ou quoi. Au pire, j'ai 9 obsidiennes. Donc ça veut dire qu'il faudrait juste que je trouve un portail à recomposer. Et normalement, ce sera bon, mais... C'est chiant, ça. Ah, bah, je viens de faire le hot tourist destination, tellement que j'ai fait tout le tour du Nether. Là, nickel. Bonjour, Golden Apple. Ok, du coup... Allez, on se casse. Tchuss les nazes. Et maintenant, je viens de faire le subspace bubble, mais ça n'a aucun sens. Calme-toi. Qu'est-ce que je suis? Je suis un cheval squelette. Oh, est-ce que je peux me faire un bateau et être un cheval dans un bateau? Incroyable. C'est parti dans quel sens? Par là-bas. Let's go. Oh, c'est cassé la première. Tellement pas de chance. On va descendre. Donc là, c'est bien. Je suis en perroquet. Donc normalement, ce sera plutôt pas mal pour voler dans l'end. Ok. Hi, spy. Ok, c'est juste là. Alors attention de ne pas prendre des dégâts des silverfish. Allez, c'est parti. Alors, le dragon. Faire en priorité celles qui sont le plus hautes. Bah, en vrai, non. What? Non! C'est honteux. Oh, je suis un Blaze. C'est honteux ce qui vient de se passer. Faut que je me retape tout le chemin. Oh non, quoi? Il pleut! C'est tellement honteux! Ok, let's go, on y retourne. Cette fois-ci, on évite les erreurs à être un petit peu trop près de la tour. Hein, parce que ça nous est arrivé une fois, c'est suffisant déjà. En vrai, ça se fait facile. Hein. Oula, je suis un peu trop près là. Ok, c'est bon. Allez, meurs le dragon. Ok, j'ai plus de flèches, donc maintenant, il faut juste attendre qu'il aille au centre. Oh, je suis un cheval. Très bien. Allez, dragon, viens, je t'attends. Viens ici. Aïe. Aïe. Non. Je suis un zombie. Allez, butez-le, mes potes Enderman. Bon, je suis pas un Enderman, mais je suis un zombie. Mais je suis avec vous, les gars. Allez, meurs. Ok. Je suis quoi? Ah, je suis une abeille. Trop pratique. Ah. Aïe. Aïe. Non, mais please, je viens de revenir. Allez, meurs. Mec, je te termine, moi. Ok, c'est bon. GG! Il aurait cru qu'un cube de magma miniature l'aurait buté le dragon, je ne pense pas.
Bon ben mesdames et messieurs, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à atteindre le palier des 15 000 pouces bleus. Si vous voulez une autre vidéo sur le mode qu'on peut encore modifier ou bien sur un autre mode que vous voulez qu'on traficote un petit peu, si vous avez des idées, proposez-les dans les commentaires et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner, on arrive très très vite aux 200 000 abonnés, donc je compte sur vous. Si vous aimez ce genre de vidéo, c'est le moment de s'abonner. En tout cas, moi je vous dis à très vite pour de prochaines aventures, je vous fais des bisous, je suis Magic Knop, le cube de Magma, à la prochaine, ciao. Bye bye.